Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un maranta, le maranta fascinator tricolore, que l'on appelle plus couramment le Leuconera, maranta Leuconera tricolore, ou beaucoup l'appellent tout simplement maranta tricolore. Alors, c'est une plante originaire d'Amérique du Sud, notamment du Brésil, et c'est une plante qui était très très courante, on la voyait beaucoup beaucoup dans les appartements dans les années 70-80, un petit peu moins aujourd'hui, mais elle revient un petit peu à la mode. Voilà, alors je trouve qu'il est intéressant de la présenter parce qu'elle a quand même vraiment un feuillage vraiment très très joli, très original. Alors en hauteur, elle ne poussera pas plus haut que 50 cm, c'est-à-dire que si vous lui mettez un petit hauteur échelle, un petit tuteur échelle, elle aura tendance comme ça, en se développant, à venir carrément donc grimper dans ce petit tuteur. Autrement, c'est vraiment une plante plutôt à tendance à être rampante. Alors, elle fleurit. Alors, ce n'est pas ce qui est le plus original, puisque ça fera toujours des petites fleurs comme ça, très fines, violettes. Bon, là, il ne reste plus qu'une seule fleur. Il n'y a jamais beaucoup de fleurs. C'est vraiment le feuillage, en fait, qui nous intéresse sur cette plante. Alors, là, cette plante que je viens d'acheter, dans son pot plastique, on va regarder au niveau racinaire. On pourrait très bien la laisser encore pas mal de temps dans ce pot, puisqu'elle a largement la place de se développer. Mais, ma foi, j'ai une préférence toujours pour le pot en terre cuite. Alors, allons-y, au rempotage. On va utiliser un pot en terre cuite. Donc, je mets le tesson dans le fond. Éventuellement, je mets un peu de billes d'argile dans le fond, histoire de bien drainer le fond du pot. Voilà. On utilisera un mélange spécial plante verte. Alors n'hésitez pas d'acheter vraiment un mélange de qualité, hein, composé essentiellement de tourbe, de terreau. Voilà, mettez-y le prix dans votre substrat, mais au moins vous aurez quelque chose de qualité. N'achetez pas le moins cher, c'est pas forcément pas ce qu'il y aura de... Vous ne serez pas gagnant. Voilà, alors je mets un petit peu de terre dans le fond. Voilà. Alors, hop. Précaution. Voilà. Il sera beaucoup plus facile d'entretenir votre plante en l'ayant dans un pot en terre cuite plutôt que dans un pot plastique, puisque toujours la fâcheuse tendance sur un pot plastique, c'est que l'humidité a tendance à rester toujours longtemps en profondeur. Et parfois, on peut avoir l'impression que le dessus de la terre est sèche, alors que le fond est encore bien humide, ce qui peut fausser votre diagnostic. Alors que dans un pot en terre cuite, l'avantage, c'est que l'humidité sera vraiment mieux répartie, qui fait que si le dessus de la terre est sèche, on peut supposer que le fond le sera autant. Donc ça sera vraiment, ça évitera les erreurs de diagnostic et du coup les erreurs d'arrosage, voire d'excès d'arrosage. Alors, j'utiliserai toujours une soucoupe avec des billes d'argile dans le fond, pour deux raisons. D'une part, quand vous arrosez, eh bien, ma foi, s'il y a de l'eau dans la soucoupe, ça évite que le fond du pot trempe dans l'eau. Et en plus de cela, comme cette plante, comme je vous le disais, originaire du Brésil, donc adore donc l'humidité atmosphérique, eh bien, ma foi, le fait d'avoir un petit peu d'eau dans sa soucoupe va permettre d'avoir toujours un petit peu d'évaporation. Voilà. Alors là, comme je viens de l'arroser, évidemment, je l'arrose. Comme je viens de la rempoter, pardon, je l'arrose. Voilà. Alors, on l'appelle aussi donc la plante dormeuse ou la plante qui prie. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que vous voyez que les feuilles se baissent. Et en fait, en fonction de la luminosité, en fonction de l'heure du jour, eh bien, les feuilles ne cessent de bouger. C'est-à-dire que si on la filmait comme ça sur 24 heures, eh bien, on verrait vraiment que la feuille, eh bien, elle n'arrête pas de changer de position. Donc, plante qui prie, bah, pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, est-ce que c'est la prosterne? Je ne sais pas. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'est le nom qu'on lui donne. Au niveau de la nourriture, Armel, voilà, il faut lui donner aussi à manger. Donc là, on utilise un engrais spécial plante verte, hein, du genre 3x20, enfin bref, un engrais, donc azote, phosphore, potasse, quelque chose de régulier. Vous lui ferez un apport donc deux fois par mois, hein, tous les 15 jours, c'est très bien pendant la belle saison, hein, d'avril jusqu'à septembre-octobre, c'est très bien.
Pour ce qui est des parasites, le parasite le plus connu sera l'araignée rouge sur cette plante. Alors, comme toutes les araignées, elle déteste l'humidité. Donc, dès l'instant où vous vaporisez régulièrement votre plante sur le dessus, voire le dessous des feuilles, déjà, vous limiterez considérablement la présence de ces araignées, de ces tétramicus. Et, quoi dire d'autre ? Température minimum. Température intérieure 20-25 degrés, c'est idéal. Pour ce qui est de l'arrosage, toujours une eau à température ambiante, ça c'est important aussi. Voilà. Et minimum ? Et minimum ? Allez, 18-20 degrés, il ne faut pas descendre en dessous, hein, surtout pas. Donc, je pense que c'est compliqué. Voilà. Au niveau de luminosité, c'est quand même une plante dans son pays d'origine qui a tendance à pousser sous les arbres. Donc c'est quand même une plante qui va préférer, qui aime la luminosité, mais surtout pas le plein soleil. C'est quand même une plante demi-ombre dans son pays d'origine. Hein. Voilà, donc évitez quand même que la plante soit en plein soleil. Et puis ma foi, pendant la belle saison, si votre plante a un petit peu souffert de l'hiver, pendant l'été, n'hésitez pas à la sortir, mais par contre à l'ombre. Vous pouvez la mettre dehors à l'ombre et elle pourra très vite se refaire une santé. Voilà, en tout cas, pour ceux qui ont déjà testé donc, des marantas, certaines espèces de marantas sont fragiles. On dit maranta, mais pour certains, on appelle ça aussi calathea. Ce sont des plantes un peu délicates, celle-ci est quand même moins délicate. Voilà, bon, je crois que tout est dit, mais de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot sur notre site. Voilà, à très bientôt sur ART, le pouvoir des plantes.